peuple porte son choix sur un grand homme universel, professeur Henri Wokbende. Parce qu'il connaît gérer, est l'homme qu'il faut parce qu'il connaît diriger. Wokbende est l'homme qu'il faut parce qu'il connaît gouverner. De pondération, d'impartialité et de rigueur. Tout le monde a vu comment le renouveau a échoué en mettant le Cameroun à genoux. La corruption légalisée, la fuite des capitaux dans l'impunité, l'enrichissement illicite des tenants du pouvoir, la fraude électorale organisée ou soutenue par les pouvoirs publics, le chômage galopant des jeunes qualifiés, la pauvreté à grande échelle qui prévaut au Cameroun. La loi pénale ne frappe que les pauvres. Les riches sont au-dessus de la loi. Les promesses non tenues des hommes de pouvoir. Le mérite est bafoué. À prix d'argent, on vend diplôme, concours, poste d'emploi et tout service rendu à l'usager. Le lourd fardeau de la dette intérieure. Le lourd fardeau de la dette extérieure. Trop d'impôts pour ne rien faire. Les fonctionnaires très mal payés et pourtant, des milliers de milliards de francs sont gardés à l'étranger. La petite minorité au pouvoir mange à gogo ne laissant pas tomber les miettes. La grande majorité à l'opposition meurt de faim, elle a abandonné à elle-même. 60 ministres au gouvernement pour
se servir et non pour servir. Le Cameroun a des têtes, le Cameroun a la mer, le sol, le sous-sol, la forêt. Ce n'est pas lui qui devrait être dans la misère. Deux constitutions pour un même pays, c'est dommage. Une administration à deux vitesses au Cameroun. La décentralisation du pouvoir prévue dans la constitution ne voit jamais le jour. Tout le pouvoir aux mains d'une seule personne dans un Cameroun soi-disant pays démocratique. Les manœuvres politiciennes du pouvoir pour troubler l'UPC et l'empêcher de traduire les aspirations profondes et légitimes du peuple camerounais. Nos écoles publiques à tous les niveaux sont des coquilles vides. L'achat des consciences pendant le vote d'une monnaie courante. Le financement inadéquat des partis politiques crédibles. La privatisation anarchique des grandes sociétés d'État. Les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches. Rien ne va plus au Cameroun. Le fusil doit changer d'épaule. Le peuple n'acceptera pas d'être trompé tout le temps. Trop c'est trop. Est-ce que c'est ça la démocratie? Avec Robin Dendari, de concert avec tous les nationalistes camerounais, une nouvelle ère s'ouvre, le Cameroun retrouve vie. Tout le monde travaille pour la prospérité du Cameroun. Une sommité, de par ses qualités, ses aptitudes et son savoir, c'est Robin Dendari qui dit mieux. Personne, personne, personne. Cameroun, Afrika, Masango, Yon UPC, Don.